Mec, j'ai fermé la boutique, il n'y a plus que nous. Et bim, oh, Bigorno. Oh, enculé. C'est bon, hein? Ah ouais, la classe. Bon, mais santé, hein? Ouais. Bravo. Santé, les mecs. Bravo. Merci. Ouais. Mais tu es de papa, j'hallucine. Comment tu vas l'appeler? J'aime bien Serge. Serge? Ouais, Serge. Tu veux qu'il n'y ait pas de pote, ton fils, plus tard? Comment ça? Bah attends, ouais, il n'est pas né, on dirait que tu lui veux déjà du mal. Mais Serge, c'est très bien. Non, on dirait que ton projet, c'est lui niquer sa vie. Hein? Pff, mais vous êtes con ou quoi? Arrêtez vos conneries, c'est très bien, Serge. Et Serge, c'est les mecs qui puent de la gueule à la photocopieuse au boulot. Ah bah c'est bon, ça va, j'ai compris. Et puis ça se trouve, ça sera peut-être pas un garçon, ça sera peut-être une fille. Hein. Toi, si c'est une fille, je l'appellerai bien Agnès. Bah non. Bah non. Pas Agnès. Quoi encore? Pas Agnès. Pourquoi? Non. Mais t'as un âne et une Agnès. Non, une ânesse. Une ânesse. Oh, putain. Et, ou sinon, ta fille, si tu sais pas comment l'appeler, t'embêtes pas, tu l'appelles Sarah. Hein. En plus, les Sarah, en général, elles sont hyper bonnes. Ouais, enfin, moi, j'ai pas envie que ma fille, elle soit hyper bonne. Moi, je me suis tapé une Sarah. Oh, ouais. Mais son deuxième prénom, c'était Gwendoline, du coup, ça s'annule. Ouais. Mmh. Ah. Tu vois, j'ai pas envie de lui donner un prénom comme tout le monde, là. En ce moment, il y a la putain de mode des prénoms en haut, là. Attends, Enzo, Timéo, machin, Alfa Romeo. Mmh. Attends, je vais pas lui donner un nom de bagnole. T'imagines, genre, le gars, sa fille, elle s'appelle Megan. Mmh. Ta fille s'appelle Megan. Ton nom de famille s'est coupé. Ouais. Alors, à la base, il devait annuler le prototype. Robert. Et Robert, ils ont un côté sensible. Mmh. Ouais, ils ont un côté tracteur, aussi. Ou sinon, Romuald. Il sera mignon, Romuald. Non. Romuald, il sera mignonne. C'est guère, Romuald. Mmh, Céline. Céline, pour une fille... Ouais, t'as raison de le préciser, parce que pour un mec... Ou sinon, Olivier. Ça fait prof de tennis, mono de ski. Olivier. Ça fait un peu Olivier de Carglass aussi. J'adore. Et un prénom, tu sais, un peu comme les stars, là. Les trucs genre Lily Rose ou les trucs... C'est beauf. C'est beauf. Juste un prénom composé. Genre Jean-Michel. Non, pas Jean-Michel. Je peux être sûr que Jean-Michel, tout de suite, ça va devenir Jean-Mich, Jean-Mi, J-M. S'il devient pas Jean-Jean, t'auras de la chance. Parce que je peux dire Jean-Jean, tu peux être sûr que... Ça va faire des trucs. Qu'est-ce qui devient ton fils, Jean-Jean? Eh bien, mon fils s'est suicidé. Voilà, bah, Jean-Jean, ouais. Mec, si t'arrives, t'as les idées noires, toi, là, ça va? Attends. Ouais. En même temps, sa fille s'appelle Mégane, hein. Je te dis qu'il devait annuler le prototype à la base. Mmh. Enfin, ça excuse pas le prénom de ton fils, hein. Donc, écoute, tu laisses Jordan en dehors de ça. Ouais, bah, ça va, je vais pas m'embrouiller avec un futur gitan. Quoi? Ma femme n'est pas Goudou, ok? Non. Elle s'appelle Corinne, elle a les cheveux blonds courts peroxydés, un tatouage Mylène Farmer, elle collectionne les calendriers de pompiers et sa meilleure amie s'appelle comment? Annick. Oh hey, mais ta gueule toi, ma mère s'appelle Annick. Ah ouais? Eh ben Annick, alcoolique. Ha. Mais c'est breton. C'est ce que je viens de dire. Allez. Ma femme est pas goudou les gars. Au pieu, on fait des trucs de malade. On s'en fout. Puis de toute façon, appelle-le comme tu veux ton gosse. De toute façon, moi à mon avis, c'est des conneries ces histoires de prénoms prédestinés là. Ah c'est des conneries? Mmh. Alors attends, excuse-moi, tu t'appelles Jackie, ok? Tu mets des Santiago, tu vas en vacances à Argelès-sur-Mer, et tes enfants, ils s'appellent Jordan et Megan! Putain, mais puisque je te dis qu'à la base, ils devaient arrêter le prototype! Oh! Oh, j'en ai pas les bras. Ah bah, casse-toi. Non mais vraiment, je crois que ma femme n'est pas goudou, hein. Je précise. Bon, les gars, allez, c'est con de s'engueuler juste comme ça pour un prénom, quoi. Eh oui, mais ouais. Puis en plus, moi, si je vous dis de venir ce soir, putain, c'est pour qu'on le trouve ensemble. C'est important. Ouais, oui. Putain, les gars, je crois que ma femme est vraiment goudou. Enfin, voilà, tu vois, je pense que c'est pas compliqué. Ton gamin, tu vas l'appeler par le même nom toute sa vie, donc il faut tout simplement que tu trouves le nom de quelque chose que t'aimes, et puis voilà, roule, quoi, tu vois. Ouais, non, t'as... c'est tout. C'est pour ça que je m'appelle comme ça? Ah oui? Ah, t'as d'autres copains qui ont le même prénom? Bah non. Bah voilà. Ouais, bah c'est un prénom de merde. Hé hey, Bigorno, tu me parles pas comme ça, hein? Et tu vas te coucher! Et moi, papa, pourquoi je m'appelle comme ça? Eh ben toi, tu t'appelles Claquette parce que Claquette, une fois, on était avec tes oncles à la mer. Et puis voilà, c'est mignon, une petite paire de Claquette. Mmh, allez. Mmh.